Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Il était grave tard hier soir, il était genre 2h du matin, j'étais sur mon ordi et j'entends que ça sonne dans un appartement de l'immeuble. Mais pendant grave longtemps, genre la personne qui sonnait, genre elle restait appuyée sur le bouton archi longtemps. Sauf qu'il était 2h du matin, donc à moins que ce soit pour une urgence tu fais pas ça. Je veux dire, c'est pas un livreur, enfin c'est extrêmement bizarre. Donc je me suis dit, Andy, ne calcule pas, fais comme ces derniers étés, reste dans ton déni, vraiment. Parce que sinon ça va te... tu vas pas dormir. Et genre je continuais et tout, ça ne s'arrêtait pas. Je l'entendais, je peux pas vous dire, ça a duré archi longtemps, genre au moins une demi-heure, je sais plus. Et à ce moment-là, après, genre au bout d'un certain temps, j'ai commencé à flipper. Enfin là c'est chelou quand même. Il y a deux options, soit il y a une urgence, quelqu'un est à l'hôpital, il faut venir, on sait rien, donc on sonne chez lui. Ça c'est une option, on va pas se mentir. Soit c'est un malade. Sauf que tu sonnes, je suis désolée, moi dans mon appartement j'entends la sonnette, c'est que forcément la personne chez qui on sonne l'entend. C'est-à-dire que ça te réveille, croyez-moi que ça te réveille. Donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette personne ne bouge pas de son lit. Qu'on en finisse avec cette histoire. Je décide de regarder par la fenêtre et je vois effectivement qu'il y a quelqu'un qui sonne. Cette personne lève la tête et se rapproche du bâtiment en mode pour pas trop qu'on la voit. Moi je pouvais pas genre me mettre comme ça pour voir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ce que je comprends pas, c'est que quand c'est une urgence, tu me vois à la fenêtre, tu dis excusez-moi, est-ce que vous pouvez genre aller toquer à tel étage? C'est une urgence. Le mec ne m'a pas calculé. Et là je me suis dit putain, c'est très très bizarre, j'ai très peur. Jusqu'au moment où je me mets dans ma chambre en mode il faudrait essayer de dormir parce qu'il doit être je sais pas quelle heure. Et là ça sonne chez moi, mais le mec restait 20 secondes sur la sonnette, j'ai cru que j'allais péter un câble et aussi tomber dans les pommes de peur. Donc j'ai eu hyper peur, j'ai appelé la police. Ils m'ont dit pas de soucis, on vous ramène quelqu'un. Je sais pas si quelqu'un est venu, je n'ai jamais su, ils ont même pas pris mes coordonnées. Genre du coup dites moi genre vous êtes passé, vous êtes pas passé, il y avait un mec, il y avait pas de mec. Évidemment Jérémy ne dort jamais genre en mode avion et tout, parce que on sait jamais, il est prévoyant. Ça m'est déjà arrivé de l'appeler peut-être en 3 ans de relation, j'ai dû l'appeler genre 3 fois dans la nuit pour lui dire de venir pour x ou y raison. Et là je l'ai appelé, pas de réponse. Le mec dormait tellement profondément, ça sonnait hein, mais il dormait trop. Et une fois que j'avais appelé la police et compagnie, il a répondu et il est venu pour essayer de me rassurer. Bref, donc il a dormi là, mais mauvaise expérience. Et du coup je n'ai pas de nouvelles. Je pense que j'aurais pour mission d'aller demander aux voisins si enfin qu'est-ce qui se passe, genre vous êtes pas sorti de chez vous, enfin racontez-moi l'histoire, parce que moi j'aimerais dormir et pas me dire est-ce que ce mec va revenir. Voilà, story time terminé. J'ai reçu un colis incroyable ce matin. C'est mon meuble télé, c'est un des trucs que j'attendais le plus, parce que c'est un des derniers éléments genre importants, avec la table basse et la console, qui arrive lundi prochain. Là on est jeudi et on va le monter. J'ai très hâte de voir comment ça rend. Voilà, on va faire ça ensemble. Et ok, attendez, mais je me suis rendu compte de quelque chose de dramatique. Je suis une très grande fan de nourriture, je pense que ça y est on a compris. Et je suis en plus une très grande fan de fromage. J'aime trop le fromage, genre dégoulinant, j'adore ça. Après des années de vidéos nourriture, je n'ai jamais fait une vidéo sur le fromage. Et ça m'a choquée. Donc je me suis dit aujourd'hui on va tester les meilleurs fromages possibles et on va faire genre un mukbang. Là on va pas parler, genre je veux manger du fromage en illimité et goûter des nouveaux trucs, j'ai trop envie. Donc je pense qu'on va regarder sur internet genre meilleur fromage de France pour essayer de trouver le best et tenter des nouvelles choses. Tadam! Mon meuble West Wing. Toutes les vidéos commencent comme ça. Un unboxing d'un colis et toi qui l'installe. Il faut enlever ça du coup? Ouais, on va aller. Regardez comme c'est beau. Bon là il y a pas, enfin c'est un contre-jour, mais ça va être trop beau. Faudra ajouter les petites, les poignées, pas des poignées, des, je sais pas, j'ai un doute là. Je sais pas. C'est pas une poignée, une. Bon bref, une poignée. Des débiles. Et ça va être trop beau, je pense. Voilà le résultat, je suis hyper contente, mais vraiment hyper contente. Ça change absolument tout le salon, regardez. Ça n'a vraiment plus rien à voir. J'ai mis deux petits trucs dessus pour décorer, des bougies et un petit vase. Franchement, je suis trop contente, la couleur est trop belle. C'est hyper bien fait, il est nickel, trop bien. Et j'ai un code promo West Wing, c'est pas du tout sponsorisé, mais si jamais ça vous intéresse, ils m'en ont fait un. Il y a plein de trucs West Wing que j'ai acheté pour mon appart et franchement, je suis jamais déçue. Pour le coup, je trouve qu'il y a plein de marques un peu d'intérieur qui sont excessivement chères. Et quand tu reçois, tu vois que c'est vraiment. Enfin, franchement, il y en a, c'est abusé la qualité, surtout des trucs en bois, souvent c'est abîmé, c'est pas bien lisse, c'est pas bien fait. Et vraiment, West Wing, c'est. J'ai tout commandé West Wing en vrai. Oh, putain, je me rends compte là. Mon tapis, mon canapé, bon, tout ça, je l'ai payé, hein. Il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est des trucs que j'avais dans mon ancien appart. La table basse, donc je vais changer, mais celle-ci, je l'ai depuis super longtemps. West Wing, il devrait sponsoriser, hein, le déménagement. Les gars,
on rigole plus. Il faut qu'on trouve nos fromages. Alors, meilleur fromage de France. Le bleu d'Auvergne numéro 1. Le Cantal, j'ai jamais goûté. T'as déjà goûté du Cantal? Bah oui, Cantal jeune. Cantal jeune, j'ai jamais goûté du Cantal. Sérieux? Je te jure. Je suis très fromage coulant, genre les trucs en mode comté, tout. C'est pas que j'aime pas, juste c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui est genre bleu, roquefort et tout, j'adore. On est sur une vidéo spéciale. Hein. Quatrième, les poisses. J'adore les poisses. Les gars, j'espère que vous aimez le fromage parce que ceux qui n'aiment pas, ils vont être dégoûtés. Parce que je comprends, en vrai de vrai, objectivement, quand tu regardes du fromage, ça peut pas te donner envie. Genre, il y a des trucs moisis, littéralement. Mais il y a un truc. Le curé nantais. Je n'ai jamais goûté de fromage de ma vie ou quoi? Le sel sur chair. Mais vous foutez de ma gueule. Le J'ai jamais goûté les meilleurs fromages de France, vous allez me dire? Le maroilles, ça je crois que c'est hardcore. Mais je crois que j'en ai jamais goûté. Moi j'aime bien les fromages forts, mais il y a un monde où il y a certains fromages. Par exemple, c'est pas un fromage fort, mais un fromage dégoulinant qui me dégoûte, c'est le camembert. Le camembert, le brie, tous ces trucs, ça me dégoûte, sauf quand c'est fondu. Genre le camembert au four, il n'y a pas de problème. Ok, je vais me faire une liste. Roquefort, papillon, Saint-Félicien. Je vais acheter du fromage pour toute une famille là. Bah déjà, je risque de manger les trois quarts, croyez-le ou non. Mais j'ai un mec aussi qui va manger tout le fromage. Et poisse. Mes préférés déjà. Il faut qu'on achète des fromages que je ne connais pas. Je mets maroilles. Mais si ça dégouline, j'aime bien. En top 1, il y a du bleu d'Auvergne. Anecdote, quand j'étais petite, déjà j'ai une famille très fromage. Genre bien fromage, vous voyez. Genre bien fromage en dessert, bien fromage au petit-déj. Et quand j'étais petite, Jérémy, je sais pas si tu savais, mon petit déjeuner, c'était des tartines de bleu. Pendant des années, des années, des années, des années, je mangeais ça. J'aimais trop et je sais pas pourquoi, ça m'a un peu dégoûté. Je pense que j'en ai trop mangé. Du reblochon, le bouton de culotte. Mais je vais dire ça au fromager, ça se trouve, c'est une farce. Ceci. Le bouton de culotte, c'est le fromage de chèvre. Donc il y en a un petit peu giga compté, je marque. Ah, le Saint-Nectaire. Il n'y a pas un truc avec le Saint-Nectaire? Saint-Nectaire. Le brie de mot d'habit. Attends, il y a trop de fromage là, ça va pas. Saint-Nectaire. Je trouve que le nom est horrible. J'ai envie de dire comme ça. Du Saint-Nectaire. Et en plus, je vais demander au fromager. Ça, c'est mon plan d'attaque. Si vous avez des trucs un peu spéciaux, je suis la bonne cliente. Plus fromage bizarre. Genre un fromage au lait de Chanel. Là, tu me dégoûtes. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier d'acheter, c'est le pain. Vous êtes team pain grillé ou pain pas grillé? Moi, je ne peux pas manger. Genre, pour moi, le fromage est 100 fois meilleur avec du pain grillé. Une baguette, une tradition. Non, il y a du trop bon pain tranché, trop bon avec du pain de seigle et tout, trop bon avec le fromage. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir ça. Avec quel pain manger du fromage? Baguette. Je dis, je suis clairement de la team baguette tradition grillée. Ouvrons les débats. J'aime bien ce genre de débat bête en commentaire. Autre chose, mais ça, je pense que en vrai, tout le monde. Enfin, mais moi, par exemple, certains fromages comme le roquefort, je dois le manger avec du beurre. Sinon, c'est pas. Il manque un truc. Bref, je pense qu'il y a trop de débats à faire sur fromage. Quel est votre fromage préféré? Si tu devais choisir un fromage, ce serait quoi? Je pense que ce serait genre un Saint-Marcelin, un Saint-Félicien. Ok. Moi, je pense que ce serait. En vrai, c'est entre les poisses et le Saint-Félicien aussi. Je pense que le Saint-Félicien, c'est pas assez fort pour moi si je dois choisir pour toute la vie. Je pense que je prendrais des poisses. Mission, fromage, let's go. Imaginez le fromager, il a plus de fromage. C'est possible. C'est possible. Oh, arrête, tu me fais peur. Non, ok, on y va. Je veux pas louper mon fromage. En mode fromage. Je vais vous prendre du Saint-Félicien le plus crémeux que vous ayez. De l'époisse aussi. Est-ce que vous avez du maroilles? Un bleu d'Auvergne. Du bouton de culotte. Et est-ce que vous avez un peu des fromages spéciaux, originaux ou... En fait, ce qu'on appelle le versaillais. En fait, on prend une base de chèvre frais et on met dedans du miel. On a en fait préalablement fait macérer la truffe. Ok. Ah. Après... Moi, c'est pas plus. J'ai dit le mot magique. C'est ça. Les gars, je n'ai jamais acheté autant de fromage de ma vie. Le sac pèse plus lourd que moi. J'ai tellement hâte là, j'ai tellement faim que je pourrais tout manger dans la rue là. Là, c'est très 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 grave. Il y a beaucoup trop de fromage, ça va être incroyable. Préparons notre plateau. Je vais faire griller du pain. Du coup, j'ai pris deux pains différents. Un espèce de pain de campagne et une tradition, vu que j'étais obligée. Ça m'a fait trop rire dans une des dernières vidéos. Il y a plein de gens qui ont dit, mais Andy, je comprends pas. Tu fais ta tisane là du soir dans ton micro-ondes alors que t'as acheté, tu nous as fait tout un truc parce que t'as acheté des trucs smeg. La vérité, c'est que il faut pour la première utilisation faire tout un processus et je l'ai pas encore fait. Voilà. J'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Les gars,
Mais cette chaîne YouTube, va falloir m'arrêter un jour parce que c'est plus possible. J'ai essayé, même si on dirait pas, quand même de prendre les plus petites quantités possibles pour chaque fromage, sauf ceux que je pouvais pas forcément choisir au niveau des quantités. Nous avons notre magnifique Saint-Félicien qui a l'air plutôt bien comme on aime. Il y en a partout. De la cancoyote, ce truc j'en ai entendu parler de ouf. Et là c'est à l'ail, il y avait que ça. Apparemment c'est un fromage qui est genre liquide et c'est un truc trop bon, je sais pas, j'ai vu ça, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Et ça m'a trop intriguée comme j'aime trop les fromages genre un peu liquides du coup. Donc je vais goûter ça aujourd'hui. Ensuite on a de l'époisse, mon fromage préféré. J'espère que c'est bien crémeux, sinon ça va pas le faire. J'ai du maroilles, un quart de maroilles. Je ne touche pas avec mes doigts ce truc. Je ne vous raconte pas l'odeur. Notre sublime bleu. Nous avons du Saint-Nectaire. J'ai jamais goûté. Voilà. Du cabrion lyonnais. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va procéder par élimination. Ça, je connais pas du tout. Du tout, du tout. Ça m'a intriguée avec son petit puits là. Ça c'est quoi? C'est du Langrais ou Langres, je sais pas. Nous avons un fromage fait maison, c'est un fromage de chèvre qu'ils font dans cette fromagerie, mais avec du miel et de la truffe. Je me suis dit, ça sera notre fromage spécial à goûter. C'est un petit fromage de chèvre, mais il est genre crémeux, mais giga crémeux. Et du coup, il manque que ça. Ah mais oui, mais c'est ça, cabrion lyonnais. C'est un tout petit fromage de chèvre. On commence par un petit truc que je connais, comme ça on commence doucement, vous voyez ce que je veux dire. Prenons notre Saint-Félicien. Oh les problèmes, j'adore déjà. Voilà, c'est officiel. Oh mon dieu, c'est incroyable. Il se passe des choses incroyables. C'est incroyable. Je pourrais tout manger, mais faut se canaliser parce qu'on a beaucoup, beaucoup trop de fromage à goûter. Je prends juste un petit bout. Comment c'est trop bon. J'ai envie de manger les trucs que j'aime, mais le but c'est de goûter les nouvelles choses. Eh mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait du con. Eh mais j'ai oublié de vous parler des fromages. Il manque des fromages, je suis une malade. Il y a du comté, du brie au poivre. J'aime pas le brie, mais j'adore le poivre. Je me dis peut-être que ça passe. Et voilà, là je vous ai tout dit. Venez, on goûte le Saint-Nectaire. Le nom me dégoûte, pour être honnête. Venez, je le goûte comme ça. Mais c'est incroyable. Moi qui aime pas trop les fromages comme ça. Franchement, je suis choquée, c'est grave, grave bon. Je m'attendais pas à ça. Genre, manger un bout, c'est bon, tant pis là. Ce sera mon repas de ce soir, de toute façon. Mon repas pour 10 jours d'ailleurs. Venez, on mange de l'époisse. Vous allez découvrir ma passion pour l'époisse, c'est vraiment intense. Ah, mais c'est crémeux, mais pas assez crémeux. Genre, moi j'aime bien quand c'est vraiment hardcore. Je peux pas vous décrire ce fromage, mais c'est fort. Genre, faut aimer les fromages forts. Astuce, mettre beaucoup trop de fromage pour la taille de notre tranche de pain. Ça c'est incroyable, c'est incroyable. En vrai je suis sûre que je suis pas la seule à pas sortir de ma zone de confort. Mais le fromage, quand tu sais ce que t'aimes, même j'en sais rien, que t'es invité quelque part ou qu'on te propose du fromage ou quoi, tu vas manger que le fromage que t'aimes. Moi je goûte pas forcément d'autres fromages, je sais pas pourquoi. Venez, on regoute le bleu, le fameux bleu que je mangeais au petit déj. Ça se trouve ça va être le début d'une deuxième histoire d'amour avec le bleu hein. C'est bon, mais je crois que ça m'a un peu dégoûté hein. Genre non, j'aimais tellement ça, mais là j'avoue non, j'accroche plus du tout. Venez, on goûte le fromage miel truffe. What? C'est incroyable. Il y a vraiment un trait de miel au milieu. Waouh. Bah non, je suis choquée. C'est tellement doux. Genre on sent à peine la truffe. Je pensais pas du tout que ça pouvait genre bien aller avec. On sent grave le miel, mais ça adoucit. Moi je suis pas hyper fan de miel non plus. Mais là avec du fromage de chèvre, c'est excellentissime. Ah, je suis trop choquée. Incroyable, choquée. Comme quoi, il faut tester les petits trucs. On va manger un peu de comté. Le comté c'est trop le fromage des gens qui aiment pas le fromage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je... Genre le comté, c'est le seul fromage que les gens qui n'aiment pas ça peuvent manger. Mais du coup je pense que c'est pour ça que je suis pas hyper fan. Genre c'est pas que le goût me dérange, juste c'est pas... Genre j'ai pas trop envie de comté à des moments. Mais il est bon. Non, c'est vrai que c'est bon. Non, c'est bon. J'ai parlé trop vite. Mais là, c'est trop. Pourquoi j'ai pris un bout si gros? Il y a trop de fromage. Prochain fromage, on va manger du brie au poivre. Je me suis dit que j'allais prendre au poivre pour goûter, pour voir si c'était meilleur. Heureusement que j'ai du poivre. Honnêtement, je sais pas pour ce genre de fromage, genre camembert, etc. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment le goût qui me dérange ou la texture. Et je crois que la texture me bloque. Genre, c'est trop de l'entre-deux avec une pâte, genre un peu. Vous voyez la pâte, genre du brie, c'est une pâte un peu molle. Et bah, je déteste ça. Ça m'attire pas du tout. Donc là, c'est pas mauvais. Mais la texture. Oh, mais par contre, le poivre. Très très bon. Bon, j'ai envie de coulant là. Venez, on goûte ça. Concoyote à l'ail. J'aime pas trop l'ail. Oula, bah j'ai intérêt à aimer l'ail, parce que là, à quel moment ça existe un fromage liquide comme ça sans qu'il soit fondu? C'est pas possible là. Ça, ça me fait rêver, vous voyez, ça c'est vraiment un truc, ça me... Genre la fondue savoyarde par exemple, je pense qu'il y a rien que j'aimerais plus au monde que ça. C'est grave bizarre. Je m'attendais à un goût en mode fondue savoyarde, mais en fait c'est hyper doux. Par contre c'est très aillé. Je trouve que ça fait un peu plastique au niveau du goût. C'est pas mauvais, mais je suis un peu déçue. Je pensais que c'était un truc de ouf. Qui va m'obliger de faire ça?
un peu déçu, mais c'est pas grave. J'aime bien la texture. Et pour le coup, là, il prend le goût, mais je trouve que c'est hyper bon dedans. Venez, on goûte le maroilles. C'est obligatoire. Par contre, je vous dis, l'odeur, c'est... Un jour, avec ma mère, mais j'étais tellement jeune, on était allé en Alsace et on avait acheté du Münster parce qu'on adore le fromage. Je pense qu'on a compris. Et elle l'avait emballé, sur-emballé. Et on voyageait en voiture, du coup, on avait pris la voiture pour y aller. Et genre, l'odeur dans la voiture. Le traumatisme, vraiment le traumatisme. L'odeur, c'est. Moi, je m'en suis. Et puis l'odeur chez moi, c'était lunaire. Il n'y a pas une histoire qu'il y a des gens qui trempent leur maroilles dans le café. Si c'est ça, je suis obligée de juger un petit peu parce que là, rien qu'à l'odeur, faut s'approcher. C'est le goût de fromage à raclette. Mais vous êtes en train... Non. Fromage à raclette, quel fromage? Le maroilles. Mais je suis en train de manger du fromage à raclette, mais pas fondu. Je suis perturbée. Maintenant que j'ai un appartement, je devrais trop acheter une machine à raclette. C'est incroyable comme idée. Venez, on se fait un mukbang raclette. Non, venez, on se fait un mukbang fondu savoyarde cet hiver. C'est bon, hein? Mais j'ai envie de le mettre genre au four. Et de le manger... Comme ça. Je trouve que l'odeur est plus forte que le goût. J'ai trop envie de roquefort. Mais pas de roquefort sans beurre. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, je vous juge, mais tellement. Prenons notre... il est tout crémeux là. Vous savez que Jérémy m'a envoyé un message là. Il attend que j'ai fini ma vidéo pour venir chercher le fromage. Parce qu'il veut en manger ce soir. Genre là, il est en train de se laisser mourir de faim juste pour le fromage. C'est incroyable. Avec le beurre. Oh là là, là c'est le meilleur. De tout ce que j'ai mangé là, ça c'est le meilleur. Mais je vous en supplie, mangez ça avec du beurre, c'est absolument incroyable. Vous savez, déjà, j'adore tous les pays de cette terre. Je suis toujours admirative de tout. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais trop contente. Quand j'étais en Thaïlande, j'étais trop contente. Quand j'étais en Corée, j'étais trop contente. Et à chaque fois, vraiment, s'il y a un truc qui me manque, c'est le fromage. Pour le coup, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France. On a du fromage, comme nous on connaît. Mais alors, les fromages à l'étranger, mais t'as très très peur. Tu pars en courant tellement c'est. Profitons-en. Je suis enceinte de fromage. C'est à péter les plombs tellement c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste? On a goûté à tout sauf à ça et son puits. Et notre petit fromage lyonnais, c'est du chèvre, mais du coup c'est hyper sec. Donc je pense que je vais croquer comme ça. C'est très bon, c'est très chèvre, mais c'est très très bon. Les gars, dernier fromage celui-là. Oh non, c'est dur. Je voulais trop que ce soit coulant. Ah mais c'est fort ce truc. Bah, ça a le goût de maroilles. C'est très bizarre. Ça a vraiment le goût de maroilles. Ça a le même goût, donc je peux pas vous dire plus de choses que le maroilles. Je vais me faire tellement critiquer dans les commentaires, les gens ils vont me dire mais non, c'est pas du tout la même chose. On a goûté tous nos fromages. Faisons un classement. Roquefort numéro 1. Un délire. Saint-Marcellin. Le chèvre, miel, truffe. Les poisses. Le Saint-Nectaire. Le maroilles. La concoyotte. L'engrais. Et le brie au poivre. Oh, j'ai oublié le comté. Bah, au milieu. Ah, j'ai oublié le chèvre. Je les ai tous oubliés. Ah, oh, j'ai oublié le bleu. Oh. Mais les gars, c'est pas fini. Hein. Là, on a goûté. Maintenant, il faut manger. N'importe quoi. Si vous en êtes jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous êtes fan de fromage, vous pouvez pas rester sinon, c'est impossible. Donc je sais qu'on se comprend. D'ailleurs, cette vidéo sort le 21 septembre, le jour de mon anniversaire. Je pouvais pas faire mieux en termes de timing. Fromage, anniversaire, c'est lié quoi. Moi je connaissais les fromages un peu genre de grande surface, etc. Et quand j'ai emménagé à Versailles il y a 3 ans, j'ai découvert le fromage de fromagerie. Enfin, j'ai aussi découvert le tarif des fromages de fromagerie. Et c'est un délire. Moi je connaissais pas et vraiment... C'est un délire. Imaginez, oh là, imagine t'es avec quelqu'un genre en couple et cette personne n'aime pas le fromage. Ça doit être une souffrance, genre est-ce que t'as le droit d'acheter du fromage ou genre l'odeur carrément c'est trop. Là je suis en couple, pas de problème. Mais genre célibataire, tu peux pas trouver quelqu'un en ayant une chaîne YouTube, c'est impossible. La personne va forcément aller taper ton nom sur internet, donc va forcément trouver les vidéos. Imagine tu vois genre mukbang fromage et tu vois ça. Tu peux pas? Je me dis heureusement que j'ai pas ce problème parce que sinon je serais célibataire, je resterais célibataire. Je voulais filmer ton arrivée parce que j'ai dit à tout le monde que t'étais pressée de manger ton fromage. Est-ce que tu veux que je te spoil les meilleurs fromages? Mais toi t'aimes pas le roquefort? Non, non, je veux pas ça. Parfait. Ok, alors les poisses, c'est ok. Saint-Félicien, trop bon. Ouais. Attends, mais on voit pas. Alors, tu sais le fromage de chèvre, miel, truffe, ouais. Incroyable. Ouais, c'est sûr. C'est trop bon. C'est genre, toi ça va te matricer parce que t'aimes trop le sucre. C'est trop doux, genre, trop bon. Le Saint-Nectaire, trop bon. Ouais. Le brie, je déteste. Le ouais, j'aime trop le brie. Okay. Maroilles, c'est wouh. Maroilles. Ouais, c'est archi fort. C'est maroilles. Ça là, le puits, ça a le goût de maroilles. Mais non. J'ai pas compris. Oh, le seum. Et le roquefort, c'est vraiment le coup de cœur de l'année. Ouais, mais elle est trop bonne ce fromage ici. Non, non, mais attends. J'ai mis le roquefort, c'est genre le meilleur roquefort de ma vie. Ça, grave déçu. Ah, attends, je le sens là, ça me dégoûte. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Une crème au, plastique. Carreau, c'est pas grave. Lui, ouais. J'ai juste croqué. Goûte-le là comme ça. Il est bon quoi. C'est grave bon, je trouve. Ouais, c'est spécial. Trop bon. T'as vu? Pour mon petit plaisir personnel, tu peux goûter. Non mais juste. J'ai trop faim et genre tu vas me faire goûter le truc. Non, 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 c'est trop bon, le meilleur. 21h30, ça devait se terminer à 19h, à 20h, ça devait être fini. Attends, attends. Je suis parti à 19h. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends,
Tu vas manger mon... Est-ce que t'as la ref de attends, attends? Non, non, vas-y, vas-y. Eux, ils ont la ref. Tu les joues quoi? C'était trop vieux pour ça. Oui, oui, oui. Tu les joues quoi? Le chèvre miel truc. Mais c'est fou le miel. Mange. Quoi? Ah, dégueulasse. Mais t'es sérieux? Il y a trop de miel, tu vois. C'est du miel chèvre. Attends, mais t'as goûté un bout trop miel. Non, vas-y, vas-y. En plus, c'est truffé et tout, vas-y. Mmh, c'est pas mon dos. Mais t'es sérieux? Je pensais que ça allait être le truc que t'allais le plus kiffer. Il y a trop de miel. Tu veux manger un autre truc? Non, je veux prendre mes clics, mes claques. Okay. Allez, mangez chez moi. Je viens de sortir de la douche. Il est extrêmement tard, mais j'ai trop envie de me faire un masque pour le visage parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. J'ai mon tiroir skincare à tester. Donc, j'ai reçu un truc The Ordinary, c'est ça que je voulais tester. C'était le glycolic acide. Donc c'est une lotion. J'ai trop envie de l'utiliser parce que j'ai plus de ma Paula's Choice que j'utilisais tout le temps et normalement c'est censé faire le même effet. Donc c'est trop bien pour ceux qui ont des petits boutons, vraiment l'acide salicylique, c'est incroyable. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est du glycolic acide. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais tester ce masque à l'immortelle précieuse de l'Occitane. Et c'est un masque de nuit, comme ça j'ai pas besoin de le laisser poser comme je suis crevée. Je vais genre le mettre et aller dormir. Dormir, je vais vous dire bonne nuit ici. J'espère que cette vidéo fromage vous a plu. Moi j'ai trop aimé, je pense qu'on a débloqué quelque chose de très toxique entre vous et moi. Vraiment, c'était incroyable. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une mercredi, une le dimanche. N'hésitez pas à aller checker Instagram parce que je suis active tous les jours. Nous on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo.